Macron veut reconstruire Notre-Dame en 5 ans, alors je vais trouver une idée là-dessus. Alors avant de faire mon dessin de presse, je vais vous demander à vous, quelle idée vous auriez eue sur ce thème ? Alors je vais d'abord faire le dessin, d'un côté je vais faire un artisan tailleur de pierre. Alors je vais le faire un peu décoiffé, un peu usé parce qu'il a beaucoup de travail face à lui, une petite barbe, un peu compagnon du devoir. Il a sur sa main gauche une pierre, un marbre que beaucoup ont confondu avec un morceau de bois et dans la main droite un maillet. En face de lui je vais lui mettre notre président préféré bien sûr et ils vont avoir un dialogue. Mais alors quel dialogue ils vont avoir tous les deux ? Je mets le titre Macron veut reconstruire Notre-Dame en 5 ans. Et alors vous m'avez proposé plein d'idées. On a Sandra Verdu qui dit oui, votre sculpture sera au-dessus de l'hôtel. Mais vous êtes sûr que ce sera pas trop petit ? Emmanuel Freinman, 5 ans mec, mais t'es pas sérieux. Eh, je suis pas ton copain, tu m'appelles Monsieur le Président. On a la proposition de Zamta Kuto, on va manquer d'artisans. Et si on traversait la rue ? Une autre proposition, Jean-Michel Benoît, l'artisan dit, vous voulez vraiment reconstruire ? Et Macron, j'ai tellement détruit que je voudrais savoir ce que c'est de reconstruire. Marc Austin, en 5 ans, mais on fait comment ? Bah toi tu tailles des pierres et moi je me taille tous les honneurs, pas mal. Marcel Delors, mais je serai à la retraite dans 4 ans, c'est pas possible. Et pas de soucis, on va bientôt changer ça. Alors Olivier déjà a fait lui-même son montage, formidable. Oh là là, 5 ans ça va pas être possible, mais Charling Girls lui-même monte une charpente en un épisode de 45 minutes et pub comprise. Et dans 5 minutes, tu vas me payer avec des poules ? Eric Vincent, pour les JO 2024, on aura besoin de prier pour gagner des médailles. Eric Rod, il faudrait au moins 20 ans avec tous les migrants qui veulent bosser gratos. T'inquiète, ça va aller plus vite. La proposition de Gédéon Tosmani, vous voulez un truc qui tape à l'œil ? Et on peut envoyer des CRS avec des LBD pour taper dans l'œil. Voilà toutes vos propositions, j'en ai pris quelques-unes, je pouvais pas toutes les prendre et c'était formidable. Et voici ma proposition. Vous y connaissez en cathédrale, vous ? Mais au gouvernement, on a des cloches et certains ne sont pas des flèches. Allez, on se retrouve la semaine prochaine et merci pour toutes vos participations. Ciao !